Salut tout le monde, c'est Kira Gaming, on se retrouve sur Assassin's Creed Syndicate et j'espère que vous allez bien. Bon les gars, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire encore une mission et après on fera encore une autre mission. Après on fera encore une mission parce que qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je le finisse. Et je viens de le commencer. Je sais même pas où j'en suis, comment on peut voir où on en est? Tiens, juste par curiosité là, ensemble. Je viens d'y penser que maintenant. Encyclopédie, non c'est pas ça. Journal de progression, ouais c'est ça. Complot des Templiers, activité des conquêtes. Oulala. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Vite progression. Ah, voilà, d'accord. Séquence 1, séquence 2. Ah, ok. Ah, séquence 1, il n'y avait que une seule mission. La séquence 2 avec une autre, mais j'ai fait que 90%. Après, ça dépend si t'as tout fait, ce qu'ils te demandent. Séquence 3, là je suis à séquence 4. Il y a 9 séquences, si je dis pas de conneries. 5, 6, 7, 8. Ouais, il y a 9 séquences. Ok. Oh, ça va quand même. Ça va. Allez, on y va. Putain. Des fois, ça serait tellement bien de pouvoir se déplacer comme ça. Protéger un allié. Voilà, ça va. On l'a défoncé. Nickel. Allez, barre-toi. Tout à l'heure, je suis passé déjà à cette fontaine, je la trouve. Je trouve que c'est trop classe. Là, quand je vois, ils ont fait la France après Londres. On va aller où après? Le prochain, ça va se passer où? Je me demande bien. J'aime bien parce que ça va quand même très très vite, hein. Oh mon dieu! J'ai cru que j'allais me retourner. On va essayer de faire une vidéo quand même plus courte que la précédente. Ça va, c'est bon. J'ai claqué juste 2 mecs. Pas de soucis, pas de problème. Je crois qu'il a eu mal au dos. Oh putain. Je suis défoncé. Allez, nouvelle mémoire. C'est parti. Eh bien, Charlie, j'imagine que le Ghost Club a une nouvelle horreur pour aujourd'hui. Eh bien, pour être franc, oui. Suivez-moi. Le 50 Berkeley Square. 4 étages et une sinistre levise. Prends garde, toi qui entres ici. Des histoires très étranges circulent à propos de cette idée. La plus ancienne apparition serait le spectre d'une... Eh, sans nous voir ce qui se passe. ...qui fut assassiné par un serviteur. On l'aurait vu aux fenêtres du grenier. Pleurant et se tordant les mains en proie au désespoir et à la terreur. Allô, la maison nous attend. Ok. Là, j'aime trop là, cette heure-ci, c'est vraiment splendide. Atteindre. J'ai hâte d'y être. Hein, mais c'est quoi ça? Faut prendre le véhicule? Ouais, faut que je conduise. Selon une autre légende, okay. Le grenier serait hanté par l'esprit d'une jeune femme qui se serait jetée de la plus haute fenêtre pour échapper aux pulsions de son oncle. On aurait aperçu ce fantôme hurlant, suspendu à l'appui d'une fenêtre. Cette résidence a brièvement appartenu à un Mr. James Jasper, chef de cœur et fervent consommateur de clés. Son neveu, Edward, était promis à l'une des pupilles de Mr. Jasper. La belle et délicate. Mais
Edward a disparu dans des circonstances mystérieuses, suivi par Jasper en personne. Peut-être le chagrin l'a-t-il renvoyé dans les bras apaisants de sa maîtresse. Bravo. Et bah voilà. Nickel. Je me suis dit, mais ça marche pas. Sommes-nous prêts? Alors, est-ce qu'il y a des trucs à rader? Certains disent que cette maison s'anime la nuit, à grand renfort de hurlements, de cloches et de volets qui claquent. Il y a des fantômes ici. Le piano, il joue tout seul? Bien qu'inquiétant, ce phénomène est facile à produire à l'aide de boyaux pneumatiques et de valves. On prétend qu'un jeune homme a été mis en cage au grenier. Son seul lien au reste du monde serait un petit trou dans la porte. Ok. Elle est seulement si insupportable que le jeune homme a sombré dans la folie. Toutes les légendes semblent se concentrer. Ah, il y a la chaise. Elle bouge toute seule. Et il y a un coffre aussi. Ah, je vais pas cracher sur le coffre, moi je vous le dis. Pousse-toi, mec. Un coup de pied, moi. Ah, un berceau. Un courant d'air. Rien de plus. Eh bien, peut-être vais-je attendre ici pendant que vous déterminez l'origine de ce rire. Qui n'a rien d'inquiétant. Faut que je réinspecte. Et il faut que je le plaque au sol vite. Je vais te rattraper, petit enfant. Je vais te prendre par les cheveux. Ah mais oh là là, mais je n'ai combien plaqué, sérieux. Tu puces séquelles, moi. Oh là là, et si c'est pas le bon. Puis il court trop vite. J'ai pas compris, j'ai trouvé le bon. Y'a pas de fenêtre ouverte? Non, y'a pas de fenêtre ouverte. Ça fait pas trop classe là, hein. Allez. C'est bizarre, il a pas parlé au gamin. J'ai découvert une serrure, mais aucune trace de la clé. C'est une chance, je l'ai trouvé. Ah bah c'est, on a trouvé le bon. Ah ouais, sur les trois, j'ai eu de la chance. Waouh. Ah, voilà la clé du mystère. Je dois dire que je suis déçu. On entend, j'ai activé le piano. On entend le landau. Sortez de chez moi. Oui. Reculez, Charlie. Seigneur Jésus. Je l'ai fait dans ma tête et je l'ai fait encore et encore. Casse-toi. Personne au monde. Oula, je l'ai défoncé. Rosa, comme je l'ai aimé. Cela aurait dû suffire à tenir à l'écart. Mon bien-aimé neveu, pauvre Ned. Pardonne. Là, j'ai dû le terminer, moi. Je vais te fouiller si t'as un truc intéressant sur toi. Y'a rien du tout ici. L'autre, il s'enfuit, là. En même temps, je crois que c'est moi qui lui ai dit de partir. Le mythe a perdu tout fondement. Il n'y avait aucun fantôme à Berkeley Square. Rien qu'une âme égarée.
que la culpabilité et la drogue ont jeté dans les bras de la folie. Je crois qu'il y a la matière à un très bon roman. Je me demande s'il me reste assez de verve. La mission accomplie ? Hey, ça défonce ! 50 Berkeley Square. Yeah ! Canépé de Charles Dickens. Bon, ça. Non, on va aller voir ça tout de suite. Inventaire. C'est là la nouvelle ? Ah oui, c'est celle-là. Plus 4, mais moins 1. Je ne paye pas de mine. Ah, mais par contre, j'ai pas l'argent. Faut être niveau 5. Encore de niveau. Amélioration de bande. Putain, la bande, ça coûte cher. Hein. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Ils sont armés. Et quoi, ça ? Augmente l'intérêt pour les Clarence, chercher davantage d'exemplaires, voiture très appréciée. Ça c'est quoi? Ok, il y a pas mal de choses. Ah, ça, je vais prendre. Des fois ça prend la tête, t'es en train d'éclater un mec, et qu'est-ce qu'il fait? Le flic il vient, il s'en mêle, c'est toute une histoire là au moins. Ils vont me laisser tranquille. Bon ben, on a assez de temps pour en faire encore une autre. On va se faire une autre mission. Une autre. Ah, il y a souvenir et... Je suis pas loin. Lettre morte. On va faire celle-là. Lettre morte parce qu'elle est niveau 4. Ouais, on va faire celle-là. Par contre, c'est beaucoup plus loin. Où je fais celle-là. Eh, on fait souvenir, c'est juste à côté, on va pas se prendre la tête. Ah, déjà c'est à côté, il y a déjà 200 mètres à peu près. La map elle est quand même super grande, hein, moi je trouve. Elle est quand même bien grande. Elle fait de la pluie par terre, magnifique. It's beautiful. Bon, faut être niveau 5, mais c'est pas grave, ça va aller. Vous n'avez vraiment aucune idée de la manière dont vous avez fini en cellule ? Je me rappelle les mêmes choses que les autres victimes. Une montre en argent, un son de cloche, une ombre étrange. Un reflet argenté, un tintement de cloche. Ouais, qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression que la fatigue vous gagne. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis très très fatigué. Maintenant, vous allez faire un petit travail pour moi, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'on a fait pour lui ? Maintenant, je vais faire un travail pour vous. Comme tu m'as coûté pas mal d'argent, je trouve plutôt normal que tu remplisses mes coffres en prélevant des dons au bon peuple de Londres. Tu voleras pour moi, n'est-ce pas ? Oui, je vais voler de l'argent pour vous. Ok. En fait, là, je vous explique pour ceux qui ont pas regardé la vidéo juste d'avant. Je devais trouver qui était derrière tout ça, là. Et en fait, là, j'ai trouvé, dans la vidéo d'avant... Il s'est servi de moi et j'ai pas vu ce qui s'est passé, je me suis juste retrouvé directement en prison. Et là, ça y est, dans cette mission, on voit ce que j'ai fait. Bah, je suis pas sûr que je suis bien explicité, mais explicitude avec vous, mais... C'est vrai qu'on avait pas vu ce qu'on avait fait, et là, enfin, en plus je fais la mission, c'est ça qui est marrant. Oh, ça coule. Bon, je dois la voler. Eh, hey, t'as mou. Il y a un effet là, wow. Qu'est-ce
Mes petits yeux. Bon, je dois voler qui là? Je vais l'assommer. Voilà. Comme ça, il se plaint pas. Il faut que je le vole l'autre. Si je vole direct, il va se plaindre à la police. À l'aide! Au secours! Vous avez rien vu, laissez-moi tranquille, monsieur. Très bien, je vais venir m'occuper de toi. Mais il y a des flics de partout. Pas grave, je le vole et je m'enfuis. Ah, j'ai tous un coup. Hey, ne m'approchez pas, compris? Ah mais je suis bien obligé de me faire avoir vu que j'ai fini en prison dans la vidéo d'avant. Je me fais attraper par la police. Il a dû m'envoyer encore faire un autre truc pour lui. Bien, très bien. On ne peut pas laisser des gens comme toi écumer les rues. Tu vas te rendre à la police, n'est-ce pas? Oui. Je vais me rendre à la police. Non, je vais aller voir la police. Oui, c'est moi. Oh, et quand tu y seras, tu leur feras une petite danse tout à fait absurde. C'est pas un enfoiré celui-là. Eh bien, bien, vous m'avez fait affreusement peur. Vous avez marmonné un nom d'homme, Ezio. Ezio Capelli. Ce n'est pas un démon, mais un hypnotiseur. Et il n'est même pas italien. Je soupçonnais l'hypnose depuis le début. Vous devez retrouver cet homme. Ok, bah j'y vais. Je trouve ça pas mal de faire la mission. Parce que c'est vrai que quand je me suis fait hypnotiser, je me suis retrouvé directement en prison. J'avais pas vu tout ça. C'est cool de le faire. Monter. Couper. Allez, saute, amigos. Ça va, il y a pas mal d'ennemis, mais quand même, c'est bien fait, il n'y en a pas vraiment tout le temps de partout, c'est pas prise de tête. Vous allez faire le guet pendant elle que est là. Je pille cette maison, n'est-ce pas? Oui, je ferai le guet pendant que vous pillez cette maison. Qu'est-ce qu'il fait ici? Oh mon dieu, j'ai une connerie. Oui. Mais non! Oh là là, c'est un carnage. Il faut que je l'enlève en plus, putain, faut pas que je le tue. Il fait quoi là? Il monte? Il monte. On a un visiteur. Oh non! Vous galégez, mais non! Vous vous méprenez, n'est-ce pas, mon enfant? Oh non! Oui, je me méprends. Tu veux pas finir en prison? Attends, non, bien sûr que non.
C'est vraiment marrant. Franchement, j'adore cette émission. Par contre, celle-là, franchement, je vais lui mettre 5 sur 5. Personne ne doit s'approcher de Monsieur Capelli. Oh, faut que je fasse un peu le mec discretos, là. Putain. C'est vraiment de la merde. Quel était ce bruit? Allez voir. Putain, il voyait en l'air, maintenant. Bon, il me laisse tranquille. Un ennemi ici. Un là. Putain, ils sont partout. C'est pas facile. Je pense que je vais descendre d'un étage. Voilà. Mais non, je l'ai même pas vu, sérieux, je suis vraiment de la merde. Puis ça vient de me faire sa vatte. Vous gagnez. Mais non. Vous vous méprenez, n'est-ce pas mon enfant? Je fais de la merde. Je me méprends. Bon les gars, j'arrive pas trop commencer cette mission, elle m'a saoulé. Saoulé. Je sais pas, j'y arrive pas du tout. Je vais aller voir là-bas. Et mon gavé là. En fait, c'est pas là que j'y arrive pas. C'est, vous allez comprendre, c'est que quand je l'attrape et je dois l'emmener quelque part. Oh, ça me saoule. Là, franchement, j'y vais un peu vraiment plus à la Bruno que tout à l'heure. Plus je le refais, plus ça me saoule. Allez, c'est bon. Retourne pas tout de suite, ça serait pas mal. Ah, j'ai pas trop commencé. Qu'est-ce que c'est chiant. J'avais appuyé sur A, qu'est-ce que... Allez, meurs, voilà. Coup de tête. Voilà, on se met par cette fenêtre. Par contre, il ira par là, quoi. Je peux pas passer par l'autre côté, là, cette fois-ci. Veillez à ce que je ne sois pas dérangé. Retourne-toi. Oh non. Oh non. Vous galégez, vous vous méprenez, n'est-ce pas mon enfant? Oui, je me méprends. Attends, non, bien sûr que non. Moi j'ai juste allé le chercher maintenant. Oh, réellement, cette mission, je l'ai trouvée super dure, moi. Trop bizarre. Elle est trop bizarre. La brodave, là. Ah, c'est bon. Lâche-moi tout de suite. Je l'admets, je ne suis pas italien. Cela faisait pas... Oh, tais-toi. Voilà, alors je vous explique. Je te donnerai tout ce que tu veux. Pourquoi je suis à bout depuis tout à l'heure. Tu la fermes. Je le prends. Tu connais un docteur John Elliotson. Jamais entendu parler. Et je le ramène à la police. Mais le problème, que l'hypnose marcherait. Comment oses-tu? C'est que la police, elle je m'attaque. Suis hypnotiseur. Ah, je sais pas comment faire, moi.
n'importe quoi. En fait, quand je le ramène, faut que je fasse attention à la police, faut que je fasse attention à tout. Vous allez voir, vous allez comprendre ce que je veux dire. Ah, cette mission, elle m'a saoulé, hein. Ça fait un petit moment que je suis dessus maintenant. Attention! Bah, mais là, je pilote vraiment, mais comme un enfoiré! Bon alors, je vous explique. Faut vraiment que j'attende qu'il n'y ait plus personne. Je vais le mettre là. Nickel. Mais non! Non, ça suffit! Normalement, il y a des fois, il y a des flics et tout, et je me fais direct. Direct, ça part en cacahuète. Et là, c'est bon. Il est temps d'avouer et de libérer les gens que tu contrôles. J'ai réussi! Oh mon dieu! Ah, j'ai bien galéré. Hein. Franchement, je vais évaluer. Je vais mettre 2. Pourquoi 2? Parce que vous aurez pas vu tous les bugs. J'ai sauté, j'ai recommencé 3 fois. Et 3 fois, dès que j'arrive ici, je le sortais. Il y avait de la police et tout, il me prenait la tête. Alors, je sais pas si ça fait partie du jeu que ça soit comme ça, mais je trouvais ça un peu bizarre. On dirait que c'était fait exprès pour foutre la merde. Là, je vais pas faire le mauvais, je mets 3. J'ai pas trop aimé, moi. Ah, j'ai bien galéré. Oh là là. Bon, bah écoutez, je m'arrêtais là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, m'a pété le moral. Moi, m'a pété le moral. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures sur Assassin's Creed, Syndicate et de Dieu. Puis laissez un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Allez, ciao.